Depuis que la deuxième interdiction de vente d'alcool a été imposée, l'industrie des alcools met en garde contre les graves répercussions qu'elle pourrait avoir sur l'industrie. Aujourd'hui, les chiffres commencent à émerger. Plus de 18 000 emplois directs seraient en jeu, avec près de 300 000 emplois dans la chaîne de valeur de l'industrie des boissons alcoolisées, maintenant également dans la ligne de mire. Selon les acteurs agricoles, la situation est grave. Nous avons vu avec les règlements et le PPE qui est requis sur les fermes, les règlements sur le transport, qu'il y a une pression financière supplémentaire substantielle sur les flux de trésorerie des agriculteurs pour se conformer à toutes les réglementations. Jusqu'à présent, plus d'une douzaine de fermes viticoles ont porté le gouvernement devant les tribunaux au sujet des nouveaux règlements. Ils disent que l'interdiction menace la survie à long terme de l'industrie. Le Cap occidental représente la majorité de la production de vin et de l'activité agricole dans le pays. Il luttait déjà pour faire des profits avant l'arrivée du Covid-19. Aujourd'hui, les choses sont encore pires. Des pertes d'emplois substantielles sont en jeu. Elles constituent une grande préoccupation. Les agriculteurs se battent à ce stade financièrement parce qu'ils ne reçoivent pas les paiements de vendeurs qui ne peuvent pas vendre leur vin ni sortir. Et dans 7 mois, ce sera la nouvelle récolte. Alors qu'allons-nous faire avec ce produit? La situation est critique à ce stade. Une enquête menée par l'organisme de l'industrie, Vinpro, a révélé que la plupart des agriculteurs ne peuvent pas atteindre le capital de transition en raison de leur situation financière et beaucoup sont maintenant à court d'options. Wines of South Africa a été chargé de commercialiser les vins du pays à l'étranger afin d'augmenter les exportations qui sont encore légales. Cela a également été l'un de nos grands objectifs d'un point de vue industriel, mettre en exergue notre présence aux yeux de nos acheteurs internationaux ainsi que les consommateurs pour leur faire comprendre que notre industrie est vraiment en crise et que l'on a besoin qu'ils soutiennent l'industrie, qu'ils achètent du vin sud-africain autant que possible afin qu'il y ait plus de commandes de vin à l'export afin que ces gars-là puissent survivre. Pour l'instant, tous les yeux sont rivés sur la question de savoir si le gouvernement lèvera l'interdiction à mesure que les autorités se tourneront vers ce qui pourrait être un assouplissement des règlements de confinement dans les jours et les semaines à venir.